Eh bien oui David, vous le voyez, le périmètre est toujours bouclé. Nos informations, c'est donc un employé... À savoir qu'une fusillade a explosé ici cette nuit dans les quartiers de Popular Street, impliquant plusieurs personnes. Les enquêteurs parleraient de règlement de compte et les unités du AWIS ont été appelées pour enquêter sur place. Amis, bienvenue. Ah merde, le micro. Bonjour. Les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode de LSPDFR. Alors excusez-moi pour cette introduction totalement chaotique. Actuellement, il s'avère qu'il fait 40 000 degrés dans la pièce dans laquelle je suis. J'ai 18 ventilateurs qui me refroidissent. Mais devinez quoi, je suis tombé malade. J'ai attrapé froid, hein. C'est très très drôle. Les amis, du coup, on va faire une vidéo avec un bugman malade. C'est génial, j'ai le nez bouché, je vais éternuer pendant cette vidéo, je vais tousser, je vais mourir peut-être pendant cette vidéo. Mais c'est pas grave les gars, parce que je vais quand même essayer de terminer cet épisode. Les amis, du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur GTA V, enfin, pour un nouvel épisode de LSPDFR. Et je prends pas ça à la rigolette, parce que ça fait vraiment un certain temps qu'il n'y a pas eu d'épisode. Alors les raisons sont très variées, c'est parce qu'il y a eu plein d'autres types de contenus que j'avais envie de vous proposer ces derniers temps. Et surtout, j'avais un gros problème avec GTA qui m'empêchait totalement de le lancer. Donc je voulais remercier Geekness qui m'a permis de régler le souci et qui me permet aujourd'hui de vous faire un épisode avec ce magnifique coucher de soleil. Alors les amis, aujourd'hui, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour un épisode dans la peau d'un agent du Hawaii 50. Et voilà ma reproduction de Danny. Voilà, j'espère que ça vous convient, parce que la dernière fois, j'ai bien compris que lors de l'épisode NCIS, vous aviez pas du tout apprécié. Aujourd'hui, les amis, je me suis mis bien plus dans le truc et j'ai essayé de faire un personnage qui ressemble un peu plus. Bon, bien évidemment, il y a les limitations de GTA, mais regardez, de très très loin, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est lui? Mais vraiment de très très loin, hein, mais genre vraiment très très loin. Bon, bref, allez les amis, on va prendre le vélo et on va monter tout simplement dans la mythique Camaro SS, bien évidemment, des unités du Hawaii 50. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cet épisode, entre autres, enfin... Je fais ça parce que vous avez été extrêmement nombreux à me demander cet épisode. Depuis que j'ai fait l'épisode du NCIS, justement, vous avez été très très nombreux à me demander cet épisode-là. Du coup, je le fais. Il y a également ma voiture qui est... Ma voiture? D'accord, j'avais garé ma voiture ici. Très bien, je n'ai plus de voiture. Super! Eh ben écoutez les amis, je vais claquer des mains et à mon claquage de mains, une voiture va avoir apparu. Waouh, incroyable, une voiture est apparue comme par magie alors que j'ai claqué des mains. Oh là là, c'est beau la magie du montage. Bon bref, les amis, je vous présente donc, comme c'était censé être prévu, la petite Camaro SS que nous allons conduire aujourd'hui. Alors rassurez-vous, c'est un vieux modèle, mais nous n'allons pas conduire que cette Camaro dans cette vidéo, justement c'est là la particularité. Mais bon, je vais quand même vous la présenter parce qu'elle est vraiment classe, genre c'est une bagnole. Voilà, pour la petite anecdote, j'ai voulu un jour acheter cette bagnole-là IRL. Quand j'ai vu le prix des assurances et le prix de la voiture et le prix du carburant, bah, je me suis dit que j'allais rester sur une petite Fiat Punto, voilà. Donc les amis, je vous présente la petite Camaro SS, donc, qui est donc l'édition, pour le coup, je crois que c'est une édition 2007 ou 2010, je sais plus du tout. C'est un vieux modèle, en tout cas c'est un très très vieux modèle, qui était utilisé dans les tout premiers épisodes du Hawaii 50. Et alors là, vous pouvez le voir les amis, j'ai vraiment pas déconné, j'ai une plaque customisée, ceux qui arriveront à décrypter le code dans cette plaque d'immatriculation, bah écoutez, vous êtes juste quelqu'un qui sait voir. Sinon, les plaques d'immatriculation également, vous l'aurez remarqué, sont tout simplement avec bah, tout simplement le fond de Hawaï, quelque chose que j'ai créé moi-même à la main. Donc c'est quelque chose de vachement cool. Vous allez voir, il y a plein de trucs que j'ai dû créer à la main parce que cet épisode a été une galère assez incroyable à fabriquer, étant donné que sur GTA 5 mode, il y a très 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 peu de modes qui permettent de se prendre pour un flic de Honolulu particulièrement, puisque là, on va être dans la peau d'un agent de Hawaï 50 qui se passe donc principalement à Honolulu, voilà. Et du coup oui, alors je fais que de me couper, mais non là, donc là les amis, on est appelé pour une petite intervention, vous le voyez, on a déjà un marqueur sur la carte, une intervention qui va tout simplement être potentiellement intéressante, c'est une nouvelle intervention qui a été ajoutée via de nouveaux call-out, parce que oui les amis, je vous en parle pas, il y a 36 286 000 nouveaux call-out qui ont été ajoutés entre les deux épisodes. Du coup les amis, je vais faire une micro-ellipse et je vous retrouve dès qu'on est quasiment arrivé. A tout de suite. Ok les amis, alors on est quasiment arrivé sur le lieu d'intervention, je sais plus comment je roule quand je mets le mode caméra comme ça. Et vous l'aurez deviné, je pense, pendant les premiers instants de la vidéo.
Ce rire est absolument pas du tout forcé. J'ai oublié de lancer le record des sons du jeu. Bon, maintenant c'est corrigé, c'est-à-dire que si je fais ça, voilà, normalement vous entendez le bruit des sirènes. Je suis désolé, my bad. Et les gars, je suis absolument éclaté. Je suis vraiment en PLS. Je suis tellement en PLS que j'oublie ce genre de truc. Et ça se trouve, j'ai même oublié d'avoir lancé le record de la vidéo. On sait jamais, on verra ça tout à l'heure. Du coup, on arrive au niveau de l'intervention qui se trouve au niveau d'un lotissement. Je vous rappelle que l'intervention c'était du Disturbance. Du Disturbance? Ah! Ok! Intéressant! Oh, c'est stylé! Oh les gars, c'est stylé de ouf! Oh mais c'est stylé de ouf! Wouah! Mais c'est génial! Alors les gars, je vous explique, hein, ça fait longtemps, hein, vous l'aurez remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode. Et je ne savais pas. Putain, c'est stylé, ça s'adapte au niveau de la distance. Alors attendez. C'est ici qu'est la fête? Bonjour, est-ce que je peux venir? Non, parce que je suis en service, mais on peut s'amuser, hein. Salut. Oh, je viens de comprendre la circonstance. Ok, ça c'est le voisin. Il regarde l'heure, il est pas content. Donc là, c'est moi qui parle. Excusez-moi, monsieur, êtes-vous la personne qui a calé... Est-ce que c'est vous qui avez appelé la police concernant un problème de musique? Bonjour, monsieur l'agent. Oui, c'est moi qui ai appelé la police. Très bien. D'accord. Alors, il dit, j'imagine que vous parlez de la musique que nous sommes actuellement en train d'entendre en fond. J'imagine qu'il va me dire oui, absolument. Il y a une partie qui est en train de se dérouler juste par là-bas. Très bien. Putain, c'est bien fait. Il me montre l'endroit et tout. Est-ce que vous pouvez leur faire baisser le son de la musique? Regardez, il montre. Regarde sa montre, c'est stylé. Évidemment, je vais m'en occuper, blablabla. Merci beaucoup, officier. Très bien. Vous inquiétez pas, monsieur. Il est quelle heure, là? Ah, il se fait que 21h. Ah, vous êtes couche tôt quand même, monsieur. Mais bon, quoi qu'il advienne, dans la vraie vie, d'ailleurs, sachez qu'en France... On n'a plus le droit de faire de bruit, genre imaginons vous faites une grande fête et tout, vous avez le droit de faire du bruit jusqu'à 21h ou 21h30 je crois. Et après, les voisins peuvent appeler la police pour tapage nocturne, voilà. Oui c'est par là, très bien. Putain le bordel qu'ils ont foutu. Ah c'est fort. Ah je m'entends plus parler, ah très bien. Ah ouais. Ah très bien. Attendez, je vais baisser le son du jeu parce que je m'entends plus parler. C'est terrible. Non, je vais pas couper le son du jeu quand même non plus. Personne ne répond à la porte. Très bien. Je checkais le backyard of this propriété. D'accord, donc on va regarder à l'arrière de la maison. C'est excellent ça. Putain, mais c'est génial. Non, mais je sais pas si vous réalisez, les gars, on est sur GTA. Hein. Bonjour. Putain, la maison de ouf. Mettez-vous à l'intérieur du marqueur et appuyez sur Y pour parler. Je parle. Bonjour. Oh, c'est Michael. Bonjour Michael, t'as acheté une nouvelle maison. That's me, Michael De Santa. What is the problem, officer? C'est moi, Michael De Santa. Quel est le problème, monsieur le policier? Bonjour, monsieur De Santa. Désolé de vous déranger, mais des gens dans votre neighborhood, dans votre voisinage, se sont plaints de la musique. Oh, come on. Donc du coup, il dit, oh, ça va, on est en train de célébrer la Dodger de Tracy. Très bien. Bon, bref, ouais, ok. D'accord, bon bref, en gros, on lui demande de baisser la musique, est-ce qu'il va le faire? Ah, il va le faire, très bien. J'ai cru qu'il allait totalement me résister, qu'il allait me taper. Il va baisser? Oh putain, mais c'est bien fait de ouf! Je remonte le son du jeu, du coup. Oui, Michael. Il fait absolument nu, on se voit quasiment plus, hein. Oui, je suis satisfait, absolument. Monsieur, merci monsieur De Santa, j'apprécie votre coopération, passez une bonne soirée. Je vais quand même regarder... Tout se passe bien, mesdames, messieurs. Je suis le mec relou, vous savez. Le flic relou qui arrive pendant votre fête. Mais bon, là, vous aviez la musique un peu fort, donc c'est normal. Oh, il y a un chien. Stylé. Putain, c'est stylé. Et vraiment, les gars, ce call-out est absolument incroyable. Je tenais à vous le dire. Ce call-out est incroyable. Il est incroyable. Voilà, je vais le répéter plusieurs fois. Ce call-out est incroyable. Du coup, on va retourner à notre vie. Putain, mais les gars, il est incroyable. C'est ouf. On est sur GTA V. Putain, c'est ouf. Oh là là, ça m'avait manqué. Et franchement, je me rends compte que ça m'avait manqué, les LSPD. Et les nouveaux call-out, les nouveautés et tout. Un grand GG au créateur du mod, si je retrouve son nom... Waouh, c'est incroyable. Vous pourrez télécharger son mod, évidemment, dans la description. Si j'arrive à le retrouver. My bad, les gars, si j'arrive pas à le retrouver. Bon, là, il fait absolument nuit noire. On ne se voit absolument plus. Du coup, les amis, je vais aller stopper mon service et je vous retrouve demain matin. A tout de suite. You
Ah bah écoutez les amis, je pense que j'ai bien dormi. On se retrouve... Monsieur... Merci. Madame, plutôt. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de vidéo. Le lendemain, évidemment, hein, une nuit est passée, tout va bien, on a bien dormi, c'était fort sympathique. On va donc demander au central si on n'a pas d'autres interventions pour nous dans cette magnifique camo. Je vais encore un peu monter le son du jeu parce que... Eh, franchement, hier soir, ça m'a rendu sourd, leur bordel. Donc on va appuyer sur la touche pour demander des call-out protection jusqu'à Union Depository. Ok, alors là, actuellement, il s'agit d'un call-out que j'ai installé mais que j'ai jamais fait, genre depuis que GTA est sorti, enfin depuis que LSPD est sorti, il s'agit d'un call-out de protection, c'est-à-dire qu'on va, tout simplement conduire un VIP de l'aéroport international, donc on va partir immédiatement en code 2, jusqu'à le Union Depository, qui est tout simplement la banque principale de Los Santos, qui est donc la, vraiment littéralement la, the bank of the bank. On va donc rejoindre cette intervention rapidement, qui normalement va être une intervention fort sympathique, étant donné qu'on va devoir convoyer carrément un mec et tout, enfin, vous allez voir, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Donc je prends un peu de vitesse, on se retrouve au niveau de l'aéroport dans quelques instants. A tout de suite. Ok les amis, alors petite particularité de ce call-out, c'est que nous avons donc changé d'intervention tout en restant dans un call-out d'escorte. Alors faut savoir qu'à la base on devait aller chercher un VIP à l'aéroport international et l'emmener je ne sais plus trop où, enfin je crois que c'était dans une banque. Et maintenant les amis, nous avons été relocalisés sur une autre mission plus importante qui est celle d'un transport de détenus. Donc on va devoir transporter un prisonnier et on n'est que deux pour ce transfert de putain de prisonnier. Donc on va quand même demander je pense un hélicoptère, non on va pas demander l'hélicoptère sur le coup, je pense que ça pourrait... attirer des soupçons. Donc on va cliquer sur valider, je vais d'ailleurs me mettre un petit peu devant lui, je pense que c'est déjà un peu mieux. Et donc on est au niveau de la station de police de Vespucci, qui est donc une station de police qui est relativement costaud. Costaude, je crois, je sais pas comment ça se dit. Et on va donc aller chercher le prisonnier, donc là je vais directement m'équiper de mon arme. Où est le prisonnier? What? Ah, d'accord, tampering with a junior juror in the second degree. Ok, donc ça, c'est ce pourquoi il a été... Oh, il a bien une tête de pédophile, celui-là. Il s'appelle donc Bob White. Il a une sentence de 6 ans de prison. Et du coup, bah, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Tampering with a juror in the second degree. Ah oui, d'accord, on envoie carrément les unités du nose. Ah ouais, d'accord, ça déconne pas. D'accord, donc on envoie des sacrées unités. Et pour le coup, le truc, c'est que vous le voyez, on a donc une petite Lexus de police qui est donc à l'arrière, qui va nous escorter. Et moi, voilà, donc on est actuellement que deux véhicules pour escorter ce convoi. Mais je suis quand même... Ah, mais c'est dommage que j'ai plus les raisons, j'aurais bien regardé sur Google, Google Traduction pour comprendre ce que ça voulait dire. Bon, du coup, je ne sais pas. Il a une tête de pédophile, du coup, on va dire que c'est un pédophile qui est donc envoyé pour 7 ans de prison, voilà. Donc, on va commencer cette escorte. Je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Donc là, normalement, quand je vais rouler... d'ailleurs, faut que je sorte ici. Normalement, quand je vais rouler, le... Regardez, voilà, tout le convoi est en train de me suivre. Et là, je suis déjà en train de faire de la merde. Fais marche arrière, tu vas te taper le mur, sinon. Marche arrière! Bon, c'est pas grave, il va gérer, il va s'auto-gérer. Et en cas de problème quelconque... Oh là là, il commence déjà à faire de la merde. Oh là là, je suis en train de foutre la merde. Et en cas de problème quelconque, j'appuie sur Y et le convoi réapparaît derrière moi, ce qui va permettre de régler certains problèmes. Donc je vais maintenant vous expliquer un petit peu le fonctionnement, parce qu'on a vraiment beaucoup de kilomètres. 4 kilomètres, bien évidemment, je vais vous faire une ellipse, des ellipses et des petits passages rapides. Parce que sinon, on va jamais rien comprendre à tout ce qui va se passer, ça va être bien trop long. Mais qu'est-ce qu'il fait? Wesh. Du coup, le principe de cette escorte, c'est très très simple. C'est qu'on va devoir emmener d'un point A à un point B, justement, bah, du coup, un VIP, qui pour le coup est donc un prisonnier. Et vous allez avoir en haut, à gauche de l'écran, tout simplement un ATH qui va vous permettre de savoir l'état de danger actuel de la zone. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons un état de danger médium. Par contre, hey, tu viens là. Voilà, merci. Le truc, il est déjà en train de partir en couille. Et donc là, ah, par exemple, on est sur un risque level élevé. Alors, pour le coup, le risque level élevé, il est dû au fait qu'on a traîné de ouf à cet endroit-là, alors qu'il faudrait absolument qu'on avance vite. Donc, on va quand même peut-être accélérer sur l'autoroute. Voilà, on va prendre un peu de vitesse. Voilà, parce que là, on commence à déconner. Parce que normalement, en fait, il faut savoir qu'un convoi, dans la vraie vie, un convoi ne doit jamais, je dis bien jamais, s'arrêter. Le convoi ne doit jamais s'arrêter. S'il s'arrête, c'est un danger absolument très dangereux. Il y a un véhicule qui s'est mis derrière. Oh putain, il y a des coups de feu. On arrête le convoi. Oh putain, ça me tire dessus sur moi. Ok, il y, y a des coups de feu. Est-ce que c'est des coups de feu liés au call-out ou pas? C'est qui tire? Pourquoi ça tire? Ah, c'est eux qui tirent. Très bien. Je vais appeler des renforts. J'appelle des renforts. Comment on appelle des renforts? Ah, j'appelle... On me tire dessus. Ah. Ah. Putain, les gars, je suis pas bien. On m'a tiré dessus de ouf. Les gars, on est sur l'autoroute, ça va dégénérer. Ça va dégénérer, on va se prendre des voitures de partout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est... Oh là là, les gars, ça va partir en couille. Faut absolument qu'on reparte. Faut qu'on reparte super. Non!
Les amis, l'inévitable arriva. Je me suis fait écraser par un véhicule de la circulation et je suis mort. Du coup, le prisonnier s'est évadé, hein, évidemment, parce que sinon, ça serait pas drôle. Et je suis maintenant au chômage, donc ma Camaro, je l'ai mise ici. Et je pense que, bah, du coup, maintenant, je vais me reconvertir en vendeur de patates dans un supermarché qui est juste à côté du poste de police. Du coup, voilà, j'aimerais juste un petit peu changer de gameplay. On se retrouve, du coup, dans un instant, dès que je suis arrivé au supermarché. Non, je déconne, c'est une blague, évidemment. Je fais des blagues de merde quand je suis malade, c'est terrible. Du coup, les amis, on est au niveau du poste de police de Vespucci. Même pas du tout, on est sur Vespucci Boulevard, mais c'est pas le poste de police de Vespucci, ça. Bon, bref, je sais pas. Et quoi qu'il arrive, les amis, nous sommes donc actuellement... On va bientôt changer de voiture. Et j'ai envie de vous présenter tout simplement la nouvelle voiture que nous allons contrôler. Parce que oui, quand on meurt dans la police de... Ah, ça s'ouvre pas. Quand on meurt dans la police de Los Angeles, de Hawaï, pardon, eh bien évidemment, on nous offre d'autres voitures, encore plus puissantes et encore plus dangereuses à conduire. Donc les amis, je vous présente la nouvelle Camaro ZL1. Alors celle-ci, je crois qu'elle n'est pas encore dans les épisodes de Hawaï 5.0, mais ça m'étonnerait pas qu'un petit Danny, un peu malin, se retrouve avec cette bagnole-là incessamment sous peu dans les futurs épisodes, dans les futures saisons de Hawaï 5.0. Franchement, ça me déplairait pas parce que la bagnole, regardez, ouvre-toi portail. Voilà, la voiture, ouvre-toi! Bon bref, on va passer par là. La voiture est absolument magnifique, elle est juste, voilà, elle est juste sublime. Bon, il y a le filtre de mes verres qui jaunissent un petit peu les couleurs, mais bon, voilà. Donc c'est une magnifique voiture qu'on va contrôler immédiatement ensemble. Et j'en profite tout simplement pour vous dire que Hawaï 5.0, je me suis un petit peu renseigné parce que vous savez, à l'époque de l'épisode sur le NCIS, en fait j'avais posé une question qui était une vraie question très intéressante, qui était celle du « Est-ce que le NCIS est un organisme qui existe réellement ?» Il faut savoir que oui, d'ailleurs je vous invite à revoir l'épisode parce que du coup c'est assez intéressant de regarder les commentaires et tout. Le NCIS existe réellement, c'est un véritable organisme qui existe vraiment aux États-Unis. Par contre, le Hawaï 5.0, qui est donc un organisme d'unité spéciale, entre guillemets, n'existe pas. C'est un organisme fictif et d'après ce que j'ai vu sur Internet, Hawaï a été passé sous la constitution américaine en 50e. Donc du coup, c'est la 50e constitution américaine. Hein, ok, d'accord, c'est la 50e île qui a été mise sous la constitution américaine. Ce qui voudrait dire peut-être Hawaï 5.0 du coup. Enfin, il y a des rumeurs qui disent ça, mais finalement... Ça reste un organisme fictif qui n'existe pas dans la vraie vie, donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant de vous en parler. Et on va demander au central si on n'a pas une petite intervention pour nous. Alors attendez, est-ce que... Voilà, c'est ça la touche. Assistance required. Bon, on va pas accepter cette intervention, ça nous regarde absolument pas. Les assistances, en général, ce sont des trucs médicaux. Là, pour le coup, bon, les gars, on n'est pas trop sur le sujet. Ah oui, je vais vous montrer les gyrophares de cette bagnole. Non, parce que les gyrophares de cette bagnole, c'est quand même quelque chose. Regardez-moi ça, les gars. Ça... Les gars, c'est une putain de bagnole de flic. Et alors en plus, bien évidemment, elle va à la vitesse à laquelle elle est censée aller, c'est pas une voiture nulle. Elle va très très vite. Ah, disturbance, non, on va pas accepter parce qu'on en a fait une déjà tout à l'heure. Véhicule with insecure load, avec chargement, ouais, non, ça nous concerne pas non plus. Protection, non, je pense que tout ce qui est convoi, on va laisser de côté parce que ça se passe très très mal. Bon les gars, est-ce que vous pouvez me proposer une course-poursuite? Ah, bah voilà, une poursuite en progrès. Bah écoutez, on va prendre l'intervention, on va partir code 2. Et on va espérer que les suspects ne soient pas armés, parce que s'ils sont armés, ça va être la merde pour nous. Ok, donc là, ça part déjà en grande vitesse au niveau de la station-service. Donc les amis, on est parti pour une course-poursuite à l'ancienne. Et là, regardez la vitesse de cette voiture. On est déjà à 180 km/h en ville, ça, c'est n'importe quoi. Alors, on va essayer de s'en sortir correctement, sachant que je ne sais plus exactement quelles sont les touches pour gérer une intervention. Attendez, c'est laquelle qu'on poursuit? C'est toi qu'on poursuit? Allez, c'est parti. Non, je vais pas couper les gyrophares, c'est pas ce que je voulais faire. Non, ça, voilà, je voulais allumer la sirène. Nickel, donc normalement, d'après mes souvenirs, il va y avoir des barrages routiers qui vont se créer devant le suspect. En attendant, on va tenter de le piter gentiment. Ou sinon, tu vas t'arrêter. Attendez, je vais quand même essayer de lui demander de s'arrêter. Arrête-toi. Ah oui, alors vous remarquerez, les feux tricolores sont totalement nouveaux. Alors oui, il faut savoir que pour cet épisode, je vous en ai pas parlé, mais il y a énormément de modes que j'ai créés moi-même. Et genre les plaques d'immatriculation des voitures sont créées par moi. Attendez, il s'arrête, je vais essayer de le bloquer. Les plaques d'immatriculation sont créées par moi-même. Les feux sont créés par moi-même. Les textures des ambulances sont créées par moi-même. Monsieur, arrêtez-vous. Sortez de vos voitures, mesdames, messieurs, là. Sors. Sortez. Attendez, j'ai rêvé où il a cabré sa voiture, lui, là-bas. Wef, je sais plus parler. Sors. Sors de là, wesh. Voilà, je te tire dans les pneus. Mais arrête-toi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? Tu me tires dessus? Qui c'est qui me tire dessus? Oh putain! Ok, ça dégénère les gars, ça dégénère, putain de merde! C'est n'importe quoi! Bon écoutez, j'appelle une ambulance, voilà, j'appelle une ambulance pour le secteur, mais moi par contre je vais continuer la poursuite. Où est parti le véhicule? Il est là-bas. Putain les gars, pff. Ça se voit ou pas que ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'épisode et que je sais plus comment ça marche? Ok, attendez, on va essayer de le bloquer. Attendez, je l'ai pas crevé son pneu tout à l'heure à lui là?
Ok. On va essayer de le bloquer dans les bonnes conditions sans mettre en danger les autres civils. Je vais appeler d'autres patrouilles également. Ok, j'ai réussi un pit. Écrase pas le civil, wesh. Arrête-toi. Les gars, est-ce qu'on pourrait tenter un truc stylé, du style tout le monde se met devant, derrière, et on le bloque? Non, ça peut pas marcher comme ça? Putain, attendez, je vais essayer de le bloquer par devant. Je vous garantis rien, mais là... Allez, oh putain, oui, parfait. Oh, restez là, nickel, on le bloque. Ah, je vais prendre la grosse arme. Monsieur, descends de ta caisse. Descends, mais wesh. Descends. Lève les mains. Arrête-toi. Voilà, nickel. Maintenant, tu te mets sur le sol. Occupez-vous de la collègue, là-bas. Maintenant, tu te mets sur le sol. Nickel. Voilà, tu es en état d'arrestation, petit con. Pour délit de fuite, course-poursuite. Tu t'appelles Michael Anderson. Ah, Michael Anderson, je crois que j'ai déjà arrêté un certain Michael Anderson. Serais-tu récidiviste? Voilà, je viens d'appeler un... Attendez, what the fuck? Ah! Très bien. Ok, on va pas regarder par là-bas. Ah, quoi? D'accord, c'est bon. Nickel. Bon, le deuxième suspect est où, par contre? Vous l'avez arrêté ou il s'est échappé? Ah, c'est bon, elle s'est arrêtée, nickel. Parfait, bah écoutez, je vais laisser les suspects gérer le truc. Nous, les amis, on va reprendre notre petite patrouille. Eh, sérieusement, c'est l'épisode de reprise des LSPDFR. Est-ce qu'on peut pas parler d'un épisode un peu what the fuck, quand même? Genre, juste un peu sur les bords. Qui dégénère énormément et très très vite, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez les amis, on va donc changer de secteur. Je vous retrouve dès que nous avons une intervention d'intéressante. A tout de suite. Ok les amis, alors je vous récupère au niveau de Vinewood Boulevard pour tout simplement vous récupérer. Oui voilà, je vous récupère. Et je voulais juste vous montrer un petit peu ce magnifique coucher de soleil ou lever de soleil, je sais pas, avec ces gouttes de pluie, c'est absolument sublime. Voilà, il n'y a pas d'intervention, on est en train d'attendre des interventions, mais voilà, c'est absolument magnifique. Et je voulais en profiter pour vous remercier d'un truc, sincèrement les gars. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode et je suis très content de pouvoir retourner sur LSPD parce que ça fait vraiment un moment... Ah, j'ai plus de carburant. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas eu l'occasion de retourner sur GTA pour proposer un épisode et ça, je vous avoue que ça m'a manqué. Et je me suis amusé du coup à regarder un petit peu les commentaires, les likes et puis globalement les statistiques des vidéos précédentes que j'ai sorties. Donc je me souviens par exemple du nombre de likes assez ahurissant que j'ai eu sur l'épisode du NCIS Los Angeles. Donc voilà, je voulais vous remercier tous ceux qui ont mis un like, tous ceux qui ont commenté, qui ont répondu aux questions que j'ai posées dans la vidéo. Voilà, je tenais vraiment à vous remercier parce que sincèrement, les gars, ça me touche. Et je sais que je vous ai déjà remercié il n'y a pas très longtemps, je crois justement dans l'épisode du NCIS, pour votre participation et tout. Mais sincèrement, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai une communauté véritablement incroyable, quoi. Vous êtes juste géniaux, vous répondez aux commentaires, vous êtes super cool, vous vous entraidez et tout, enfin... C'est génial, et voilà, je voulais vous remercier parce que vous méritez quand même de sacrés remerciements, parce que c'est grâce à vous que je peux faire ce que je fais actuellement, et c'est grâce à vous que j'évolue, parce que je fais des erreurs, je fais des trucs de merde, et des fois vous me le critiquez, ça me permet de m'améliorer. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez pour ça, et également merci pour tous les retours, putain, que j'ai eu sur l'épisode militaire. Je m'attendais vraiment pas à un tel engouement autour de cet épisode. Donc voilà, je voulais vraiment encore une fois vous remercier pour tout ça, et donc on va demander au central si on n'a pas d'intervention, parce que sinon les gars on va sortir les violons avec la pluie et tout, ça va, on va tous pleurer. Donc voilà, encore une fois, merci à tous pour votre participation. Et voilà, je vous en suis éternellement redevable. Alors, les interventions, s'il vous plaît. On va arrêter tout ce qui est protection, s'il vous plaît. Hein, voilà, traffic stop backup. On va prendre un traffic stop backup, les amis. On va prendre un traffic stop backup. Alors, traffic stop backup, je vous rappelle, les amis, c'est une intervention très classique. Enfin, très classique. Pas vraiment. C'est pas du tout une intervention classique. En vrai, c'est, disons que le mot traffic stop backup est très commun. On l'a dans... Oh, fais gaffe, toi. Wesh. Attends. J'allume ma sirène, voilà, comme ça, ça va le calmer. C'est un call-out sur lequel on tombe souvent quand on fait nos épisodes. Mais le truc qui est génial avec ces call-outs... Alors, je vais essayer de prendre un raccourci, voilà. Le truc génial quand on prend les call-outs de ce... Hein, quand on prend cette intervention, hein, tout simplement, c'est que en fait, on a toujours des surprises. On tombe toujours sur des interventions très variées. Bon, excusez-moi. Alors là, putain, là, ce que je fais, c'est absolument pas du tout RP. Quoique, ça peut passer, d'accord? Ça peut passer. Oh là 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 là, la voiture con. Oh, les gars, ça va dégénérer. Je vous le dis, hein, j'ai un nez comme ça, ah, je le sens. Là, je sens que ça va dégénérer. Mon nez de malade vous dit que cette voiture va faire un délit de fuite de ouf. Bon, c'est pas grave, j'ai la voiture pour la poursuite, donc au cas où, au pire, on est dans les circonstances. Donc, je vais prendre cette arme-là. Bon, collègue, qu'est-ce qu'il a, ce véhicule? Il va partir. Je vous garantis que ce véhicule va partir, putain. Bonjour, collègue, qu'est-ce qui se passe? Bon, par contre, tu me regardes ou pas? D'accord, très bien. D'accord, donc je vais demander de s'arrêter sur le côté parce qu'en gros il faisait de la merde sur la route. Et on va voir justement. D'accord, donc directement il me pose pas la question, il va s'occuper de lui. Je mets en joue ses pneus parce que je sais pas pourquoi. Les gars, un véhicule comme ça, il a tout à gagner à partir en roulant.
Est-ce que ça va bien se passer? Oui, ça se passe bien. Les gars, je suis pas bien. Oh, j'en étais sûr. J'ai eu un pneu. Ok, nickel. Bon bah, nickel. Non, pas vraiment, parce qu'on est actuellement en train de poursuivre une voiture qui va relativement vite. Vite. Allez, vite, collègue. T'es pas pressé, toi. T'es pas très pressé comme collègue. On part en poursuite. Du coup, code 3. Je vais bientôt le perdre. Faut que je reste dans la zone de poursuite. Ok, ça va. On a deux collègues en face qui devraient le bloquer. Oh, les gars, ça va partir en couille, les gars. Tout à l'heure, quand on était sur l'autoroute, ça a très très mal tourné. Il a fait demi-tour. Très bien, d'accord. Il a fait demi-tour. Très bien. Ah, il refait demi-tour. Et je me fais percuter par les collègues. Qu'est-ce qu'il fait? Mec, stop, arrête-toi. T'as un pneu crevé, tu vas pas aller très très loin étant donné que je suppose que ta voiture c'est une propulsion. Oh, les gars, je descends pas de ma voiture, hein. C'est mort. Je descends pas de ma voiture sur une autoroute, c'est mort. C'est mort de chez mort. Allez, arrête-toi, putain. Allez, stop ta caisse, stop ta bagnole. Oh là là. Oh le bordel. Le bordel. Et c'est tellement réaliste. Alors, ce qui est marrant, c'est que, encore une fois, je suis abonné à une chaîne YouTube où on voit des courses-poursuites à Los Angeles. Au pire, je vous mettrai le lien de cette chaîne dans la description. En gros, une chaîne qui propose plein d'épisodes, enfin plein de vidéos de courses-poursuites qui sont réellement à Los Angeles. Et régulièrement, t'as des voitures qui roulent à contresens et qui foutent un bordel monstre sur les routes de Los Angeles. C'est assez impressionnant à voir. Bon, par contre, toi, là, t'es tellement dangereux, je vais me mettre devant toi. Stop. Je vais appeler des collègues. J'appelle encore des collègues. Et je vais demander un barrage routier si ça dégénère trop. Allez, arrête-toi, putain, mec, stop. Arrête-toi. Ok, je descends de la voiture. Les gars, si je meurs... Voilà, j'ai crevé son deuxième pneu. Sors de la voiture, sors. Oh putain, ça dégénère, j'aurais pas dû tirer. Non, stop. Arrête-toi, tu vas mourir. Mais c'est stupide de courir sur une autoroute. Stop. Arrête-toi, voilà. Merci, madame. Voilà, ok, tu restes tranquille. Non, toi... Non, fonce pas, calme-toi, toi aussi. Oh, ça va dégénérer, les gars, ça va dégénérer de ouf. Restez tranquille, vous. Restez tranquille, l'arrestation est en cours. Voilà, merci, sortie de votre voiture. L'intervention est terminée, c'est bon? C'est bon? Putain, les gars, la circulation est bloquée de ouf. Alors, attendez, je vais débloquer la circulation. Je vais protéger le suspect. On va lui faire une sorte de petit... voilà, de petit truc comme ça, là. Nickel, ok, très bien. On va essayer de débloquer la circulation pour que tout se calme. Je vais retirer ma voiture. Et on va essayer de refluidifier tout le circuit parce que là, c'est actuellement un bordel monstre. Voilà, hop, ma voiture est actuellement totalement défoncée. Voilà, on va se mettre là. Et je vais appeler une dépanneuse pour le bonhomme et on va faire ce qu'il faut pour... What? Hein? Ok, très bien. Je vais donc appeler une dépanneuse pour ce véhicule. Madame, est-ce qu'il y a un collègue qui s'occupe de votre arrestation? Parce que vous avez l'air bien perdu. Quand c'est le MS, tow truck, voilà. Nickel. Donc on appelle une remorqueuse. On a un 10 sur Bones, l'intervention, que je n'accepte pas évidemment. Et on va tout simplement... Bon, la circulation, ok, donc on a déjà le police transport qui est déjà à disposition. Bon bah nickel, écoutez. Ah, oh, what the fuck, la porte quoi. What? Bon écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore une fois d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On était donc dans la peau d'un agent du Hawaii 5-0, dans la peau de Danny, voilà, que vous pouvez revoir ici bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner des commentaires, des avis concernant cet épisode, et des idées, pourquoi pas, pour les prochains épisodes de LSPD. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Ciao ciao.